Bonjour à tous, on se retrouve dans le deuxième épisode de... Je rigole parce qu'en fait, quand je me lève, je sens que mon t-shirt était collé derrière moi pour la suite de notre aventure. Donc, je sais pas si YouTube va bien faire le switch, va bien couper. J'ai changé le titre. Normalement, si je change le titre, il devrait le faire, mais c'est pas sûr. Donc, au cas où, on verra bien. Donc, bonjour à tous ceux qui étaient sur le stream. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le stream tous les soirs. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, pour l'instant, tu as tout bon, Modity Web. Oh bah, c'est magnifique. Pourvu que ça dure. Donc alors maintenant, par contre, aller au grenier. Donc le grenier, il est ici. Donc pour aller au grenier, il va falloir que l'on trouve... le fameux fusible. Peut-être aussi qu'il va être temps de regarder la... Donc le fusible, en fait, qui va... Je vais essayer de finir mes phrases. Ça, c'est un gros défaut que j'ai. Je ne finis jamais mes phrases. Donc le fusible en bas qui va nous permettre d'activer ce circuit électrique qui va faire descendre ce machin-là. Allez, on descend. Je regarde le plan... C'est quoi ces trucs là? Il n'y a pas une légende, si la légende. Le truc qu'il y a dans la cuisine là, on voit un symbole, qu'est-ce que c'est? Une petite serrure, d'accord. Et le magnétophone, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était ça. Donc au premier étage, d'accord, c'est symbolisé par l'indice de sauvegarde. Ok, d'accord, le S. Il n'y avait pas de lumière tout à l'heure là-bas. Si. On va aller voir vite fait. Parfait. Donc ça, ça n'a a priori pas changé. Par. Non, je dis des bêtises. J'allais dire des bêtises. Bon, j'y passe là. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais j'y passe. Ok, donc a priori, il n'y a rien de neuf. Je n'essaye même pas la porte. On va pouvoir ouvrir ça. Maintenant qu'on a le coupe-boulon. Et on a le fusible, nickel. Nickel. Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu? Vous l'avez vu? C'était Mia, vous croyez? Ou quelqu'un d'autre? Ça ressemble à Mia, mais elle me paraissait un peu petite, quoi qu'elle n'était pas bien grande, Mia. Mia? Est-ce que c'est toi? Puis moi j'avance là comme ça, pouf pouf. Bon, on va déjà aller coller le fusible et on va regarder la vidéo, je pense. Ce sera fait. Et après on va monter au grenier. Ah, je suis un peu tendu là. J'ai les épaules raides. Ah tiens, j'ai jamais remarqué qu'il y avait le plan. Je sais pas s'il y était sur la démo. Ouais, moi je suis le type qui recule, moi. Je tiens à ma vie. Allez, on regarde la vidéo. Alors, le problème, entre guillemets, c'est pas un problème, mais dans la vidéo, bon, on verra bien. Parce que j'allais dire, il va forcément y avoir des interactions possibles. Je sais pas si on va avoir plusieurs cassettes et pouvoir les repasser plusieurs fois. Bon, bref. Donc, une cassette vidéo. Oh, il est écrit Maison abandonnée d'Olvey, 1er juin, sur l'étiquette. Allons-y. Ok. Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, puis... Hey, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage.
Donc ça, ça a l'air d'être exactement le même truc que... De nouveau, là ? Que la démo. Je le sens pas. Encore ? Alors sois pas étonné si on doit le virer. Nouveau plan. D'abord, on fait un tour à l'intérieur, et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission, cette fois, hein ? T'inquiète. Ce soir, dans Sewergators, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va ? Fantastique. Attendez. Je ne fais pas volontairement n'importe quoi, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on tourne ? Oui. Ok, on y va. Allons-y. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. C'est bloqué. Après toi. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui ? Tu te prépares jamais. Préparer quoi ? Une baraque pourrie, des bruits étranges ? Oh, elle est hantée ? Donc pour ceux qui n'ont pas vu la démo, qui ne sont pas au courant, en fait, ces vidéos-là sont évidemment le même endroit. J'étais présentateur, moi. Attendez. Remplaçant le week-end, Pete. Seulement remplaçant. Qu'est-ce que t'as dit ? Rien. Nous permettre de vivre dans les mêmes lieux à une autre époque, pour faire court. C'est quoi l'histoire, André ? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée ? 3 ans. Hé, hey Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de coupe. Donc, une famille de pecnos disparaît et... Pas des pecnos, les Baker. Tu vas voir le plan de coupe. Jack et Marguerite Baker. Ça va couper. Une famille normale, plutôt paisible. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Lui a mal tourné, apparemment. D'accord. Lucas a Merde. Mal tourné. Merde. Je savais que j'aurais pas dû mettre des chaussures neuves. Putain. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon, ça pourra nous faire un super décor. André, je vais revérifier. Qu'est-ce que t'en dis ? André ? André ? André ? André ! Des fantômes aperçus dans le bayou. Passé, André ? Oui, il est sorti, Harry. Il est sorti, enfin, sur PC... Depuis... J'ai rien pour ouvrir, j'ai pas le crochet. Donc depuis aujourd'hui, minuit. André ? Il est où ? Putain, j'y crois pas ! C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec ! C'est un farceur. Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais... Un bon caméraman comme toi, Clancy, reste près de moi. Bien, près de moi. Il est toujours, éternellement, 10h15. PS4, oui, il est sorti, et il est sorti, entre guillemets, plus tôt en mon physique. Il était disponible au moins depuis hier matin dans tous les supermarchés, dans tous les trucs, et dans certaines boutiques, il était encore plus disponible encore plus tôt. André ? Arrête de faire le foufou ! C'était quoi ce truc ? T'as entendu ? Vas-y, rentre. N'aie pas peur. Il n'y a pas de danger. André ? Il est où, putain ? André, t'es passé où ? Il n'y a pas la même, les mêmes sons qu'hier à ce niveau-là non plus. Enfin, qu'hier, dans la démo, je veux dire, pardon. Ouvre la bobinette. C'est quoi ce bordel ? C'est pas possible, je rêve. Est-ce que c'est la même ? Oui, c'est la même. Ok, changement de programme. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Il flippe, il a peur. Ouais, en français, enfin, il y a une foultitude de langues. Je l'ai mis en 100% français.
Parce que j'ai lu que de toute façon, même le doublage anglais n'était pas top. Enfin, les doublages, pas vraiment. Enfin, bon, bref. André ? Donc, autant le mettre en français. Passe devant. Il est là, André. Regarde. Okay. Moi, ouais. En train de descendre l'échelle. Bah, je passe la caméra à André, ce sera mieux. André ! Passe devant. Bon, d'accord, allez, de toute façon. Hein. J'ai rien oublié, réfléchissons. Le crochet, on l'a pas, il est pas là. Bon. Eh ben, j'y vais. Je vous spoil pas ceux qui ont pas fait la démo. Donc là, c'est Harry, le tout début du jeu, hein, au cas où. Là, j'en suis à une bonne heure. Tu vois quelque chose ? Y'a quoi en bas ? Et je suis pas rapide. Il y a André qui est figé, je sais pas ce qu'il a. Il va attraper des crampes dans les mollets en plus, à être sur la pointe des pieds comme ça. André ? André ? Comme j'avais déjà vu, ça m'a pas fait trop, hein. Vu que c'est dans la démo aussi. Donc on a vu la vidéo. Dieu. Ce qui m'embête un tout petit peu, c'est qu'on n'a rien récupéré. Pour ce qui est de ta question, Belzébuth, concernant Skyrim, j'avance. Je me fais une petite session le dimanche matin en général, donc pas beaucoup. C'est un jeu que je veux faire tranquille. Pas tranquille. Comme je le dis à chaque fois, c'est ma promenade du week-end. L'oiseau noir. Bon, donc on va monter au grenier. Je revérifie tout ça pour voir si ça n'a pas changé. On ne sait jamais. Parce que rappelez-vous, dans la démo, le mot, par exemple, je vais vous écraser et je t'écraserai. Est-ce qu'on peut la revoir, la vidéo, au fait ? Oui, on pourra la revoir autant de fois qu'on veut. Très bien. Et donc, si on a oublié quelque chose, on pourra y retourner. Donc oui, c'est la même, exactement la même. Hein. Y a pas... Fais gaffe, tu joues de nuit. Ouais, mais je me suis mis carrément de nuit, même ici, là. J'ai coupé toutes les lumières. Et en plus, comme je joue au casque, ce qui risque d'arriver, c'est que ma femme ou un des enfants rentre dans la pièce, que je l'entende pas arriver. Et donc, si vous me voyez faire un gros bond, ben bah, voilà. Bah voilà, par exemple. Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas blesser. Comment j'ai pas dû faire ça ? Mais comment je récupère ? Je peux pas la récupérer, ma hache. Ça fait putain de mal ! Bah oui. Mais t'es pas bien ! Mais laisse-moi tranquille, comment... Non. Comment on fait à ton tour de souffrir. Mais j'arrive pas à l'enlever. Bah là, je crois que je suis un peu foutu. Hein. C'est mon job. Je dois contenir mes ennemis. Je vais arrêter, c'est promis. Mais... je dois tout brûler. Je peux rattraper ma main, faire quelque chose ? C'est foutu là ! Comment je vais faire ? Je sais pas si c'était très utile. Mais c'est pas normal, j'aurais pas dû perdre ma main quand même. Ma petite main. Ok, c'était ça pour la récupérer. Bon, c'est foutu là. Ou c'est normal. Ma main. Je peux pas la recoller. Punaise, c'est gore quand même. Hein. Bon, j'ai retrouvé ma main. Hein. Je la prends. Et on verra bien. Si on peut la recoller. Ah.
Bon, allez, on va monter, voir ce qui se passe là-haut. Par contre, j'ai plus de trucs de... J'ai plus de trucs de... Comment, de medikit, quoi. Enfin, de potions magiques. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse... Oh, je peux toujours en faire une. Ça mange pas de pain. C'est bizarre qu'on perde la main. Quand même. Donc maintenant, il va couiner comme ça jusqu'à la fin. Et tu t'en fiches de Mia, c'est, tu veux dire que j'aurais dû le suivre pour aller voir où elle va? Bah oui, je m'en fiche. Attends, elle me coupe la main, moi. Je m'en fiche complètement, moi. Un peu crevé. Si elle l'est pas déjà, moi, je veux rentrer chez moi, c'est tout. Je vais quand même aller voir. Mia? T'es par là? Où elle est, Mia? Elle était partie vers la cuisine, non? Ouais, je vais revérifier la porte, hein, parfois que je puisse ressortir. Je veux rentrer à la maison. Mais c'était inévitable, on est bien d'accord, de perdre la main. Hein. C'est pas moi qui ai fait un truc qui fallait pas. Bon, allez, on monte. Par contre, ça va me saouler de l'entendre couiner, là, comme ça. Je regardais derrière, hein. Donc, le grenier... d'accord, que l'on connaît un peu. Coucou! Je vais voir au bout avant. Tais-toi, arrête de geindre! Ok. Oh, un pistolet! Un pistolet! Bon, ça peut pas forcément donner grand-chose vu que. Ils sont tous morts. Et attendez, c'est quoi ça? C'est la porte, ok. Oui, il y a des courants d'air, c'est un courant d'air. Alors on va prendre des munitions. Remède premier soin. Ça c'est marrant, je visais le pistolet. Et le pistolet. Bon, d'accord. Viser. Tirer. Mais non. Je vais garder la hache. Y'a rien qui traîne sous la table. Donc là... Bah encore une fois j'insiste, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est très cool. C'est très bien dosé pour moi. C'est important. On n'a pas eu de blocage pour l'instant. Comparé aux énigmes de la démo. Alors je sais pas si ça va se corser après, mais. Oh bah c'est bon, on peut se sauver. Ah bah non, on n'a pas les clés. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Je sais pas si des fois on trouve des trucs. Dans la démo, on avait trouvé un truc dans une caisse, mais c'est une caisse particulière. Donc là, je sais pas. Enfin, particulière dans le sens où elle avait des espèces de rubans. Je sais plus ce que c'était. Elle était là d'ailleurs. Enfin, la démo qui n'était pas d'ailleurs une vraie démo du jeu, dans le sens où c'était pas un niveau particulier.
Les portes qui se ferment, c'est désagréable. Vous, je vous aime pas. Tiens, toi non plus. Y'a rien de caché par là. Donc on va monter, mais ça va pas nous donner... Enfin, je sais pas. Je casse tout. Oh, oh. Des balles. Il me semble qu'on trouve beaucoup de balles, hein. Rien d'autre à l'horizon. T-Web reprend du pop-corn. Attention, ça veut dire que... Bon, de toute façon, on va nous inciter à sortir. C'est ça le truc, hein. Donc on y va. Allez, on y va. Oh, oh, oh. Bah, on va peut-être pas y aller, finalement. Hein ? Allez. J'avais pas vu si près que ça. Cours, pousse-toi. Pousse-toi. Pourquoi je peux pas venir, moi? Non. Il faut mettre un terme à tout ça. Tu peux plus courir avec la hanche pétée là. Tu me racontes des blagues. Moi j'y vais à l'âge parce que je suis un guerrier, moi. Tais-toi. Tu me fais pas peur. Tu n'es plus rien. Ah oui, hein, ça pique ça. Hein. Hop, hop, hop. D'accord, ok. C'est vrai que la tronçonneuse, ça coupe le... Il compte sur moi. Non. Le monde compte sur moi. Dans le monde. Compte sur moi, où t'es? Non! Oh, punaise, punaise. Bon, on se casse. On n'insiste pas. On est presque mort. Qu'est-ce que c'est? Oh merde! Je suis coincé. Oh. Où aller? Oh, je suis mort. Je suis mort. Où aller? Punaise. Là. Je suis innocent. Ah là, je crois que c'est un peu foutu. Ça fait mal, arrête. Mort. Vise bien, c'est une zombie. Oui, dans la tête, donc, tu veux dire. Ouh. Alors, attends, je vais me détendre un peu avant. Hein. D'accord. Ben ouais, ben, je pensais tirer dans les jambes, justement, en me disant que ça allait l'empêcher d'avancer, que j'allais pouvoir fuir. Bon, c'était un peu naïf, visiblement. Allez, je reprends mon souffle. Je fais un tout petit truc, là. Hop, 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 voilà. Allez, on y retourne. Hein ? C'est sûr, vous voulez y aller ? Donc, on va essayer de l'avoir dans la tête.
Faites tout pour l'arrêter. Mia est dangereuse. Oui, bah, ça on avait remarqué. Appuyez sur X pour retarder, mais attention. Les bases du combat, restez à distance de vos ennemis et visez la tête pour maximiser les dégâts. D'accord. Appuyez sur R, B pour les premiers soins. Le remède le moins puissant sera utilisé en premier. Ok. Allez. Alors, du coup, on en est où là? Ouais, d'accord. On reprend tout ça. Et. Donc, pour l'avoir avec le pistolet, on n'a pas le choix. Par contre, attendez. D'accord. D'accord. Ok. Je réfléchis entre. Non, mais c'est vachement bien fait en tout cas. Parce que regardez, en fait, j'étais. La pièce, elle est de l'autre côté là. D'ailleurs, on va la voir sur le plan. Elle est là, le grenier. C'est là où elle m'a attaqué. Moi, j'ai fait le tour. Après, je suis repassé par la porte, l'autre porte. Et. Elle a plutôt que de faire le tour pour me suivre, avec sa tronçonneuse, elle a découpé le mur. Énorme. Tu es mort qu'une fois. Ouais, là, le petit problème, en fait, c'est que je savais pas trop ce qu'il fallait que je fasse. Dans la mesure où, théoriquement, on peut pas la tuer. Ah, mais peut-être qu'à force de l'esquinter, elle devient non transformée, entre guillemets. Ah oui, c'est peut-être ça, d'accord. Donc, péter tout ça, ça sert à rien, donc on va pas se le refaire. On va retourner là-bas et donc on va l'affronter. Attendez, par contre, la save que l'on a prise, ça correspond pas à une de nos sauvegardes. Donc il y a des checkpoints en plus. Oh, c'est plutôt cool. Mais par contre, si je reprends le jeu, je vais reprendre bien en arrière, là. Non, pas forcément. Peut-être que ça s'ajoute. C'est l'équivalent de les checkpoints des quick save, quoi, peut-être. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à récupérer? Des balles ici. Et des balles là-bas. Et c'est tout. Hein. Donc, on va lui péter la tête. Lui viser la tête. Ouais, j'ai pensé un peu bêtement à viser les jambes, moi. Disant qu'au moins, ça l'empêcherait d'avancer. Donc, j'espère que le truc, c'est que donc, je lui pète la tête. Et en fait, elle va redevenir normale. Hein? On dit que c'est ça. Au bout d'un moment. Parce que là, le problème, c'est que je vois pas où je redescends à fond. Y'a rien d'autre, de toute façon. Là, dès que je vais mettre le pied sur l'échelle, elle arrive. Prêt? Je repère un peu les lieux. D'ailleurs, si je virais les caisses, ce serait peut-être mieux. Non, allez, on y va, là. À la one again. Si ça peut te rassurer. Ben oui, j'essaye de me rassurer. Allez, viens, Mia. On descend vite, 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 vite. On redescend vite, vite, vite. Est-ce qu'elle a pété l'échelle? J'ai pas vu ça par contre. Oh. Pardon. On peut pas courir en marche arrière. J'arrive pas. Oui, mais je veux bien rentrer chez moi, je demande que ça, moi. Allez, viens, ma cocotte, je t'attends. Non, 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 tu m'auras pas, tu m'auras. Bah, si, là, tu m'auras, par contre. Il compte sur moi, tout le monde. Sur moi, tout le monde. J'aurais dû recharger. Je vais recharger. Où aller, je l'entends pas là où elle devrait être là. Il y a un truc qui va pas. Où aller? Mais où tu es? C'est là. Faut que je fuis, c'est ça? Est-ce que je peux monter? Ah mais non, il n'y a plus l'escalier. Mais ça sert à rien de tirer dans la tête, qu'est-ce que tu me dis? On dirait qu'elle s'est calmée un peu. Hein. Où tu es, Mia?
Ouh. Donc c'est bien ça. Est-ce que je peux prendre la tronçonneuse et la découper en morceaux? Donc on commence par de là. On peut plus monter évidemment, hein. On peut plus monter, on peut plus monter, on peut plus descendre. Bienvenue dans la famille, fiston. Vous êtes mort. Non, 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 il est duré là. Eh oui, on crie Xarkam. Eh oui, T-Web aussi, on crie. Ben, je le fais exprès, c'est pour faire du spectacle, vous comprenez? Allez, c'est pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche. Ah ouais. Quand même. Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Qu'est-ce que c'est que tu merdes? Qui êtes-vous? Où est Mia? Ah, c'est celle de tout à l'heure, la mamie. Mange, c'est bon. C'est pas plus réagir, hein, que vous attachez les paresseuses. Lucas. Ça devient lourd, vieux. Pose-toi de la marguerite. Je peux pas bouger. Ce garçon doit manger. Je vais manger, je vais manger. Dîner. Oui. Allez, mon grand. Bouge, allez. Vas-y. Oh merde, oh merde, oh merde. Il mange pas, Jack. Il mange pas. Ferme-la, Marguerite. Je prépare ça pour lui. Fous-moi le camp. T'es qu'un petit enfoiré. Oh, j'arrive pas à croire que c'était cet enfoiré. Il mange pas. Il mange pas. C'était censé être un festin très spécial. Ça, c'est pas très... Hein? Allez, vas-y. Oh, t'es merde! Je parie que c'est encore ce flic! Maudit poulet! Bouge pas, je reviens. Mais la mamie, ça fait une centaine d'années qu'elle est décédée? Je peux pas bouger, comment ça se fait? Je peux m'en aller? Allez! Viens! Ouais, j'ai vu qu'on m'a mis une Apple Watch, maintenant je crains plus rien. Ouais, évidemment, tant qu'on n'a rien exploré, logique. Oh, les revoilà. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? J'ai plus rien. Qu'est-ce que c'est ça? Ça symbolise... ouais, certainement ma force. Pas ma force, mais ma vitalité. Je suis un peu perturbé. Ok. Ma santé, je vous l'ai dit. On va y arriver. On peut refermer la porte? Je suis pas là. Je suis perdu. Il y a bien un couteau qui traîne dans la cuisine, au fait. C'était quoi? Une plante au propre... Eh ben voilà, elle restaure une petite quantité de vie. Oh, c'est tellement bon. Des boyaux. 13 mars, femme, la cinquantaine, charnue, sautée. Xarkam qui est là, c'est pas ce que tu crois. Hein. Alors, l'homme, la trentaine, maigre, donc c'est le menu de la semaine. Hein. Ok. Y a pas un truc contendant? Bon, je vais retourner voir sur la table. Tant pis s'ils arrivent. Hé, hey, mamie! Comment ça va, mamie? Je peux pas t'en foutre une, mamie? J'aurais bien aimé. Allez, on se détend. Nico Bressi, corde, collier de chien. Ok. On s'amuse bien ici, hein?
Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils sont balèzes. Ma main refonctionne et tout. Et en plus, comme je dis, j'ai gagné une Apple Watch. Alors là, que dire ? Le bonheur total. Bon, on a déjà des munitions, c'est déjà bien. Bon, je suppose qu'ils vont se repointer un moment ou un autre, hein, forcément. Trois explorateurs urbains disparus. Les autorités d'État lancent un appel à témoins afin de retrouver les traces de trois hommes venant de la Nouvelle-Orléans, disparus après s'être rendus à la paroisse de Dulvé le 9 de ce mois. Les trois hommes, Peter Walken, André, je la fais à la québécoise, André, ah bah André, Stickland et Clancy et Chavis sont connus sur Internet pour leurs vidéos tournées dans des bâtiments abandonnés et des maisons prétendument hantées. Les secrets de l'abîme. Eh ben, on va les connaître, les secrets de l'abîme. Nous. Bon, a priori, il n'y a pas d'armes là-dedans. Les fenêtres, n'y comptons pas. Oh, il a fallu passer à côté de ça. Mais il n'y a rien. La pendule. Bah, j'ai rien à utiliser, faudrait que je trouve quelque chose à accrocher au bout de ça en fait. Ok, faut qu'on se garde ça dans un petit coin de la tête. Y'a rien par terre là. Tsumami tremblant. Comment ça va mamie? Oh, j'aimerais tant avoir une hache. Je vais pas aller par là. Hein. On va aller retourner par là-bas. Dans la panique, c'est là où on s'était réfugié, mais je crois qu'on n'a pas fouillé. Je remonte un poil le son, je l'avais baissé là quand ça couinait. Oh, je suis bloqué là. Ah. Ben là, je vais pas avoir non plus d'objets. Qu'est-ce qu'il y a donc en descendant? D'un étage, faut que je trouve une espèce de pince coupante, c'est ça? Ah non, une clé ou un crochet. Ok. J'ai entendu quelque chose là. Chut. On dirait une petite cachette, ça, non? Bon. C'est pas super bien caché, je vous l'accorde. On va prendre un couteau. Dommage. On va penser à faire la vaisselle un peu plus souvent quand même. Hein. Bon, bah on va pas avoir le choix, je crois que de... Que d'y aller. Je fais peur par rapport à ma réaction à mamie, peut-être, mais tu sais, hein. Ça soulage. Donc là aussi, il faut du crochet, on n'en a pas. Bon, j'espère qu'ils vont au moins avoir la gentillesse d'attendre que l'on ait trouvé quelque chose pour se défendre avant de venir nous agresser. Je vais aller au garage, mais je regarde où ça mène, tout ça. Allez, on va voir au garage. La caisse a l'air fragile, on peut peut-être... La... Oui, ben voilà, c'était une caisse comme ça que je... quand je vous disais que j'avais réussi à looter un truc dans une caisse. Garage. Ah. Donc faut qu'on trouve une hache, ce serait cool. Ou en tout cas un marteau peut-être. Il y a du bruit. C'est peut-être le vent, hein. Le vent ou la pluie. Allez, 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 on se dégonfle pas, on y va.
Le ruban adhésif est trop résistant pour être enlevé à la main. Il faut absolument qu'on trouve des outils, quelque chose. Ce qui veut dire qu'on va pas pouvoir ouvrir, aller dans le garage tout de suite tant qu'on n'a pas trouvé ce qu'il nous faut. Ok, donc on remonte. Y a rien en dessous là. Ok, donc on n'a pas d'autre choix que d'aller là-bas. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Alerte, il y a quelqu'un. Et tu veux pas me filer ta hache? Oulala, 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 où est-ce qu'on va se cacher? On peut pas se cacher, on peut pas se cacher dans le frigo. Ferme la porte, ferme-toi la porte, ferme-toi la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Une botte? Evelyne. Evelyne, c'est la botte d'Evelyne. Evelyne, ma copine. Il va pas me voir, il va pas me voir, il va pas me voir. Je suis sûr qu'il va pas me voir. Non, je suis pas là. Je suis pas là. Attention, je la connais la blague, je reviens deux secondes après. On arrive à lui passer dans le dos. Où est passé ce petit merde? C'est là, s'il nous voit, s'il nous chope, on n'a aucun moyen de défense. Peut-être que je peux passer là, non, je peux pas. Oula, 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 oula. Bouge pas. Bouge pas. Pas la peine de te cacher. Si, quand même. Je suis pas là, va voir ailleurs. Je suis dans le garage, va voir dans le garage. Me voilà. Eh bien, bon, on va tenter un truc, on verra bien. Il m'a pas vu, il me voit pas, il me voit pas. Je croise les doigts, je serre les fesses, il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas. Il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Il est dans mon dos. Vous l'entendez? Une clé. Où est mon petit Ethan? Il est ton petit Ethan, il est pas là. Il est pas là, faut que je trouve une autre cachette. Vite, 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 une autre cachette. Oh, je suis foutu, s'il arrive là, je suis foutu, je suis coincé. Il me faudra pas longtemps pour trouver que tu es. Non, 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 non. Mais si tu voulais me tuer, fallait le faire tout à l'heure, imbécile. C'est quoi ce bruit là? Si je reste là, je vais crever, il va finir par me trouver. Par ici, petit, petit, petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour ouvrir ça. Bon, c'est pas grave. Là, faut qu'on passe par la trappe, je pense. Ok. Montre-toi, montre-toi, sors de ta cachette. Où il est? Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule cachette, hein. Donc faut pas se rater, c'est-à-dire que là, s'il arrive, on est couis. C'est marrant, j'ai l'impression de l'entendre derrière. Tu sais ce qu'on dit. Sur ma droite, j'entends. Famille toujours. Ouais, je sais. Ici, tu sais. Faut qu'il repasse. Il va retourner dans la cuisine. Il va retourner là où il y a la table, hein. C'est ça. Là, il doit être bloqué entre les deux.
Et dès qu'on l'entend bouger, on regarde. Il doit être... Il va passer sûrement... Wow ! C'est vraiment l'éclate ! Tu trouves ? Il est là ! Il est là ! Là, il est là, il est là derrière la porte. Là ! Là, il est là ! Et je crois qu'il m'a vu là ! C'était avant la fin du repas ! J'aurais pas dû passer par là, faut que je me... Faut que j'arrive. Ah, viens, viens, viens. T'inquiète pas, je suis toujours là. Moi aussi, tu me fais pas peur. Hop, regarde la fin. Ah, ça va marcher. Mais je veux... Allez. Cours. J'aurais pas le temps, j'aurais pas le temps. Mais j'ai la clé, punaise, où il est. Oh merde. Allez, c'est bon. Trompez d'adresse. Pauvre petit. Allez, maintenant ils m'ont retiré ma patte. Mais c'était pas la clé que ça que j'ai trouvé. Mange-toi, Ethan. Fumier. Oh non, mais non. Cette potion est vraiment magique. Impossible, impossible, impossible. Tu... Mais... Couille. Bon, je ferais mieux de partir. On va feinter, regardez. Oh, merde. Oh, comment je vais réparer ça? Allez, avec ta patte cassée, tu pourrais courir plus vite quand même. C'est dommage qu'on puisse pas fermer là. Mais j'aurai jamais le temps d'ouvrir, on est bien d'accord. Vite, la clé. Non, mais c'est pas ça! Aïe. C'est fini, gamin. Mais non, c'est pas fini. C'est pas... C'est pas la grande forme, mais c'est pas fini. Comment je pourrais faire pour le sommet là? J'ai plus rien pour me soigner, évidemment. Allez, on se gaufre pas cette fois. Allez, on a ouvert, c'est bon. La prochaine fois, on passe. Il va pas nous suivre. Il va falloir faire mieux que ça, gars. Bah, vu... Le problème, c'est que d'après ce que j'ai vu, il n'y a qu'une cachette où je peux me cacher. Ou alors, je retourne me cacher. Peut-être qu'il va pas me voir. Reste où tu es. Bah s'il me voit. Oh merde. Allez. Laisse-moi descendre. Très bien. Amuse-toi bien là-dessus. Oh merde, je reviendrai te chercher plus tard. Ah ouh. C'est tellement gore. Si c'était la clé de Sawex Arkham, bah ouais, mais en fait je l'avais pas sélectionné. En fait non, dans ma première tentative, j'ai cru qu'il allait me la sélectionner tout seul. Et dans le stress et la panique. Et la deuxième tentative, comme un couillon, j'ai sélectionné les munitions. Bon, faudrait qu'on se trouve de quoi se refaire un peu la cerise. Est-ce qu'on peut rouvrir là? Non, c'est pas que je suis maso, hein. Il n'y avait plus rien à récupérer là-haut, de toute façon. Il l'a refermé ? Ouais, ok, d'accord. C'est vrai que c'est gore. Hein. Et bon, c'est... Ah, ça, on pourra le péter, mais on a toujours rien.
Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Bah, pas grand-chose. Donc là, mon Apple Watch me dit que je suis pas en forme. Allez. On va manger un petit truc pour chien. Elle considère toujours que c'est le rez-de-chaussée. Ok. Mais en fait, je suis sous le plancher. Est-ce que c'est pas un endroit où je pourrais te protéger, ça? Parce qu'il peut pas y aller en même temps. J'ai pas grand endroit où aller, là. Ah, si. Oh, attendez. Attendez. Que je passe pas à côté de trucs. Tondeuse, on va récupérer une lame. Non. Ça doit être pour les succès. C'est dommage qu'on puisse pas récupérer une lame. Je sens la main là qui va arriver du plancher. Un câble électrique qui va où le bout? Il va. On est où là? De toute façon, le jeu doit être étudié pour que je trouve quelque chose. En particulier. De la vie. Coucou! Comment je fais pour monter? Bah. Là, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Ah, on va pouvoir faire une petite sauvegarde. Parfait. De nouveaux objets. Alors, une boîte ont été ajoutés. Boîte de fourniture, pièce de défense. Ok. Donc, ça, c'est le coffre. Permis de conduire, d'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on peut mettre dedans. C'est notre coffre, en fait, quand on aura trop de choses sur nous pour nous soulager. Une vieille chaussette. Elles sentent horriblement mauvais. Est-ce que c'est un petit repère où on pourrait être un peu tranquille, ça? J'aurais peut-être dû refourguer des trucs dedans, moi. Couillon. Il y a un truc dedans. On peut pas la retourner comme ça pour qu'elle s'ouvre. Non. Ah, un crochet. Donc le crochet va nous permettre d'ouvrir une porte. Plan de la résidence principale, magnifique. Le téléphone. Allô? C'est étonnant, je m'attendais pas à autre chose. J'ai rien trouvé de quoi me... Ah mais je peux prendre la plante pour me soigner un peu, est-ce que ça vaut le coup? Bon, en voilà une autre. Un fluide chimique? À quoi ça sert? Combiner les objets dans l'inventaire. Les liquides vont être combinés pour créer des objets inutilisables tels que... D'accord. Donc les combinaisons. De l'herbe plus le fluide chimique fait un remède de premier soin. Ok. Et donc comment on fait comme ça? Donc on valide comment? Ok, d'accord. Parfait. Est-ce que je le prends? Non, je vais pas le prendre, mon remède, tout de suite. Je vais attendre encore un peu, je dois pouvoir supporter encore un coup ou deux. Je pense pas qu'on régène tout seul, automatiquement. Bon, on a tout vu ici. On va regarder le plan. Donc, on est dans la buanderie. Il y a là où il y a le coffre.
Le hall principal et le garage. Pourquoi il y a à la salle à manger? Alors attendez. C'est bien le symbole. C'est quoi ce petit symbole bizarre là? En plus, je l'ai pas dans la légende. Si, petite serrure, d'accord. C'est pas ça ce que je voulais faire. Petite serrure, donc il doit ouvrir un petit truc. À l'étage, on a la salle de jeu, la chambre de grand-mère. Toi, je t'aurai la grand-mère un jour. Ok. Donc là, ce qu'on n'a pas exploré, les couloirs, on les a fait. Il y a le hall principal, le garage et évidemment tout l'étage. Ok. Bon bah écoutez les amis, vu l'heure qu'il est, hop, moi, je vais m'arrêter là. On se retrouve pas demain, peut-être cela dit demain, non pas demain je pense pas, mais guettez quand même demain dans l'après-midi. Je vous rallume pas la lumière ou je peux vous mettre une lumière comme ça. Et sinon on se retrouve jeudi donc 17h pour la suite de l'aventure. Pour la suite de 17-19h et vendredi on verra. Mais 17-19h jeudi c'est sûr, sauf si il y a quelque chose de particulier comme le jour où j'avais mes 42 degrés de fièvre. Mais dans ce cas-là, je le signalerai sur le compte Twitter. Donc pour ne pas rater, hein, comme d'habitude, n'oubliez pas, pouf pouf pouf, vous vous abonnez sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, où vous voulez, ou vous vous abonnez nulle part, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, alors, donc on se retrouve jeudi. Et voilà. Ce que j'en pense pour le moment, ouais, j'aime bien. Ce que j'aime bien en plus, c'est que bon, l'ambiance est super bonne, il n'y a pas à tortiller des fesses. Et pour l'instant, c'est bien dosé partout. C'est-à-dire là, par exemple, j'étais un peu limite. Je retrouve de quoi me faire de la santé. C'est pas trop dur, c'est pas trop facile. Bref. Très bien, très bonne ambiance. Par contre, tu vois, ce que je regrette un peu, c'est justement de devoir arrêter. C'est-à-dire, il faudrait faire le jeu comme tu l'as fait en une traite, se bloquer une journée et le faire pouf d'un bloc. Malheureusement, je ne peux pas vraiment et donc je vais être obligé de le faire par séquence comme ça d'environ 2 heures à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, ce sera déjà ça. Allez, sur ce, à jeudi, bonne soirée, amusez-vous bien et voilà, ciao. Je peux couper la lumière maintenant.